Bon fucking matin. Ouh, j'ai juste ça dans la tête. Non, ça marche pas comme affaire. Je suis tellement déçue de moi. Je suis tellement déçue. J'ai honte de moi-même. Je veux plus ça. C'est plus ça que je veux dans ma vie. Non, je le vois encore plus ce matin. J'ai du fun. Mais moi, ma tête. Ça marche pas. Je vais me payer du laser, je sais pas. Je veux plus. Je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je me contentais, mais je me contente pas. C'est ce qui me fait chier. Puis il y en a plein qui banalisent ça. Ben, meilleur mari, nanana. Sans, tu sais. Sans vouloir minimiser, mais tu sais, qui sont comme, ben, voyons. C'est tout ça. Ça, franchement, comment t'as fait, Marie? Et moi, je ne veux plus faire ça. Mais je sais pas comment faire pour plus faire ça. Tu sais, là, ça faisait 3 jours que j'avais pas pris de boisson. Je m'excuse, je peux rien parler de ça, ça m'énerve. Je m'énerve moi-même. Mais c'est ça, c'est mon journal de bord ici. Puis, j'ai-tu mis du bonbon? Parce que oui. À ma maman de mettre ça tout croche. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, tu sais. Je me rends compte que je mets beaucoup d'accent là-dessus. Comme, tu sais, j'ai un problème, nanana. Mais les autres, tu sais, trouvent pas que ça en est un, tu sais. Mais moi, je suis comme plus capable, là, de vivre avec ça. Avec ce problème-là, de pas être capable de m'arrêter. Mais tant qu'il y en a, je vais en prendre, là. Mettez-en pas 5 bouteilles, tu sais. Je veux dire, moi, je vais finir par les vouloir finir les bouteilles, tu sais. Je boirai pas tout à moi tout seul, mais, tu sais, je veux dire, si je finis ma coupe, puis là, tu sais, je vais en prendre. Tant qu'il y en a, tu sais. C'est vraiment gênant, encore une fois, de ce que je dis. Vraiment gênant. Mais là, c'est ça, je suis rendue là que je vais essayer de continuer de faire comme de faire le plus possible sans en prendre. D'y aller un jour à la fois, célébrer mes petites victoires. En tout cas, c'est pas facile, pour vrai. Sinon, je me suis couchée tellement tard. Je me suis recouchée, je me suis levée pour les gars. J'ai demandé à Ophélie de venir m'aider. Parce que là, j'y arrivais pas. Je me suis couchée à 2h20 du matin, dans la fin de même, quand j'ai 10 balles. D'ailleurs, je vais sûrement me censurer. Hein, dans ce vlog-là. Celui d'après-demain. C'est sûr que je me censure. J'ai honte de moi-même. Pourtant, je suis super sûre de partir, c'est le fun, on a du fun, t'sais. J'ai honte. Je suis rien de grave. Je suis absolument rien de grave. Mais c'est ça. Ça m'a fait du bien de voir mes amis. Ça, c'était vraiment très positif. Je suis contente d'avoir vu mes amis. Puis c'est ça. Fait que là, je vais passer à un autre sujet. Hein? Parce que, à un moment donné, t'as assez. Peux-tu arrêter de parler? Je vais perdre mon nom. Puis, il est 10h10. J'ai mon amie Jess, peut-être qu'elle va venir prendre un café. Elle, avec qui je suis allée hier au party, au souper. Puis, après ça, là, les enfants vont venir dîner, déjà. Puis moi, ben, je sais pas quoi je vais faire pour dîner, pour vrai. Donc, je vais regarder à ça. Puis j'ai plein d'affaires à faire, là. C'est Noël dans 2 jours. 3 jours. Et... Hop. Salut! T'es là pour vrai? La soupe au poire?
Fait que, ouais, déjà là, quoi, t'as oublié d'écrire, ça fait 5 minutes. Pour moi, t'es sur la route. Fait que, je vais te reparler plus tard. Hein? Nouvelle fille. Non, mais, mon ami vient juste de partir. J'étais en train de faire le dîner, j'ai fait les pâtes bœuf et fromage ce midi. Comme ça. Donc, bœuf haché, j'ai utilisé des grands macaronis, ça fait longtemps que j'avais, je pense que je n'ai jamais acheté. Je pense jamais d'acheter ça, des macaronis longs comme ça. Hein. Fait que ça va être ça, le dîner des enfants. Ce midi, c'est en train de cuire, il est 11h15. Puis, c'est ça, bien tranquille, j'ai plein de petites affaires à faire, là, au niveau technique, genre, faut que j'envoie des courriels et tout, fait que ça va être ça que je vais faire après le dîner. Puis, c'est pas mal ça, cher. Donc, hein, je suis fatiguée. Vraiment, là, ça va me prendre une couple de jours à m'en remettre de tout ça, de m'être couchée aussi tard, d'avoir pris de la boisson demain. Je suis pas fière de moi, pour vrai. Mais bon, on va essayer de passer à d'autres choses. Puis, c'est ça. Fait que... c'est ça qui est là, hein? Ça va être bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ces petites pâtes-là. Salut! Bon après-midi! Bon, j'ai émergé! Quelle journée de merde! Il est 3h40, les enfants viennent de revenir de l'école, puis là, demain, c'est la journée pyjama à l'école, puis Enzo, il n'y a pas de pitch. Enzo, mais pas de pitch. Mes enfants dorment tous en bobette. Genre, je sais pas si c'est le même chez vous, là, mais moi, tous mes enfants dorment en bobette. Tout le temps. J'ai beau leur acheter des pitchs, ils en mettent pas. C'est rare. Fait que là, ben, vu qu'Enzo en a besoin d'un, il veut avoir un pyjama animaux. Fait que ce que je vais faire, c'est aller chercher un pyjama animaux chez Urban Planet. Je m'en vais là. Essayer de faire ça le plus rapidement possible pour revenir le plus rapidement possible. Donc, c'est ça. Ça n'a vraiment pas été une belle journée pour moi. Je suis vraiment très, très déçue, encore une fois, de moi. J'avais vraiment la gueule de bois, là. C'est carrément ça, le cas de dire. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive rarement. Je veux dire, ça m'arrive une fois. T'sais, avoir la gueule de bois, me réveiller magané, c'est rare. Ça m'arrive pas souvent. T'sais. Mais sincèrement, là, encore plus maintenant, là, j'ai encore plus envie de plus prendre de boisson. Je vois encore plus la nécessité pour mon corps d'arrêter d'en prendre, t'sais. Parce que je le sais que je me contenterai jamais juste d'un verre. Ah, je me sens tellement pathétique de dire ça, là. Je me sens tellement pathétique, là. Puis tu sais, c'est le genre de sujet qu'on traite pas en grand public, là. Puis tu sais, on dirait que c'est ça, j'amplifie ça, puis tout, tu sais, je m'en rends bien compte. Ça n'a juste pas de bon sens, mais là, ça me perturbe. Là. Je suis rendue perturbée, je fais juste penser à ça, puis je vois pas le bout de comment est-ce que je vais m'en sortir. Fait que là, je l'ai échappé hier, je m'en reprends. Je vais m'en reprendre, puis théoriquement, la prochaine fois que je devrais reprendre la boisson, ça serait peut-être à Noël, un petit verre, essayer de me contenter. Ben non, tu sais, c'est rare que... En tout cas, je vais voir, là. Je suis allée te parler de ça. Que j'ai rien à dire. C'est ça qui m'a. C'est omniprésent chez moi. Fait que cette année, ça va être le processus de comment Marie va s'en aller vers la sobriété absolue. là 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 là. En tout cas. Fait que sinon, ben, dernière journée d'école avant les vacances demain. Puis, je vais rendre les enfants dîner à l'école. Je vais aller aussi faire des petites emplettes pour les cocos. Fait que, je dis un beau belle fin de journée. Une belle fin de journée. Puis, on va se reparler tantôt. Je suis certain, je vais te montrer mes petits achats. Ça a vraiment été compliqué de trouver les fameux pyjamas. Finalement, Urban Planet en avait plus. Il y en a à l'année, genre, ça n'a pas de bon sens. Finalement, ça sera pas un pyjama animal, c'est un pyjama. Ça va être un pyjama lutin.
J'en ai acheté deux même. J'en ai acheté un small et un small. Je savais pas quelle grandeur ça allait faire. Puis là, je sais pas ce que je fais ça. J'ai atterri au Costco, genre. J'ai atterri au Costco, toi et chose. Fait que c'est ça. Je vais prendre un petit Costco. Puis j'attendais en liste d'attente pour. Pour. Pardon. Les cellulaires. Donc, on avait dit à Elliot qu'on en paierait un. Alors, là, il y a un beau rabais. En fait, je pense qu'il y a un rabais là, sur les iPhones. C'est ça que je m'en viens. Faire, là, en attendant, ben, je suis obligée de magasiner. Voilà, oh, là, je suis à l'aise d'attendre. J'ai le temps de magasiner, ils m'ont dit. Fait que je magasine un petit peu. Je retrouve ma vie, là, magasiner chez Costco. C'est stimulant. À 4 heures de chez nous. Je viens de sortir du Costco. Il est 7h30. Ça n'a pas de stifi de bon sens. Ça a tellement été long, les cellulaires. Là. Je capote! En tout cas, là, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ça valait la peine, mais en même temps, tu sais, un peu une petite crosse à travers tout ça qui est de payer avec le rabais, tu payes comme ton Apple Care Apple Care Plus, je suis pas capable de le dire. Fait que tu sais, ça coûte ton, c'est comme si qu'il t'en venait gratuit. Fait que tu sais, c'est quand même c'est correct. Hein? Donc. Fait que c'est ça, je m'en vais à la maison, j'ai acheté une pizza. Ok, fait que j'ai acheté une pizza, mais j'ai pas mangé de la journée aujourd'hui. J'ai à peine mangé des quelques noix, j'ai vraiment faim. Là, je commence à avoir mal en tête. Oh! Ouais! La 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 la! Ça peut-tu finir? Fait que c'est ça, ça va être le chaos à la maison quand je vais arriver tantôt. Fait que c'est sûr que je vais closer mon vlog maintenant. On va se dire à demain. Puis merci d'avoir été avec moi dans cette minuscule journée encore une fois. C'était pas grand chose. Puis ça me tentera pas de faire de haul Costco à la maison pour vrai. C'est ça, ça va être trop l'excitation des enfants. Ça fait longtemps que je suis partie. Ils vont avoir faim. Ça va être l'heure de coucher. Je vais mettre des lunchs, en préparation des lunchs. Je vais faire mon montage de vidéo. Bref. Ça va être le free-for-all, comme on dit. Fait que, on va se dire à demain. En espérant que j'aille mieux psychologiquement et physiquement aussi. Bye!